I'm super sad that you're here, I don't know what to say. Why? Why? Yeah. Am I sad? Yeah. Because the trip is over. Je connais ces gars depuis moins d'une semaine, hein. Voilà, et là je fais bonne figure pour ce facecam, mais j'ai l'impression qu'un monde est en train de s'écrouler. Voilà, tout simplement. SOS dépendance affective, bonjour. Pas de bol pour une meuf qui, à la base, partait en vacances seule avec de gros livres de psychologie sur comment guérir les problèmes d'attachement. Le truc, c'est que je suis pas restée seule longtemps, puisque j'ai rencontré Morsen et Afifi, deux youtubeurs égyptiens qui m'ont embarqué dans leur road trip. Si vous avez raté le début du voyage, je vous mets les premiers vlogs en description. 5 jours intenses, comme peuvent l'être les voyages, se sont écoulés depuis, et là, on va pas tarder à partir pour notre toute dernière destination, et je suis déprimax. C'est, on peut dire, le dernier matin, puisque demain c'est le jour de mon départ. J'ai décalé mon billet, mais j'avais gardé départ Agadir. Et là, le problème, c'est que je suis plus du tout vers Agadir. Je suis à 500 km d'Agadir, tu vois. Et donc, là, je vais aller acheter du forfait pour appeler Transavia pour changer ça, Inch'Allah. Hi, Rabah. How are you, Rabah? Rabah vraiment sous-côté, hein, je réitère. Ah oui, on sent bien l'enthousiasme. Hein. Attention, je vais changer de mood dans 3, 2, 1. On the road again. Ah, j'ai réussi à changer mon billet d'avion. Je suis contente. J'ai gagné un jour de vacances. Les filles de 4 quarts d'heure me détestent parce que je dois annuler l'enregistrement du podcast. Mais moi, je gagne un jour à Tanger. Et là, on part à Tanger en train. Tu es prêt? Être bon. Je suis. Attends. Je suis malade. Je suis prêt. Allons-y. Let's go. Ready? Born ready. Train? Yeah. Trains go viral? Yeah. It's a thing. So let's vlog the train. One of the fastest trains in the world. Ah, it's true. Where is the fastest? Not in France. Maybe, yeah. So French people won't be impressed, you know, with the second fastest. Second fastest. Last stop for the three of us. Les garçons ont visité après Tétouan, Chef Charouen. Moi je suis travel vlogger depuis maintenant, c'est déjà ma deuxième journée quand même. Enfin, je peux vous dire que c'est pas du tout le matériel par exemple, parce que ce train, vous le connaissez, c'est un TGV comme en France, sauf que les sièges sont verts. On se voit à Tanger. Do you want to make the transition? Ok, let's go. Oh yes, please, they're yours. Bonjour, mon ami. Mon ami. It sounds cute, mon ami. Bonjour mon ami, je suis égyptien, j'ai été architecte, maintenant je suis vlogger, Facebook, rendez-vous avec français mon ami dans l'Égypte. En Égypte. En Égypte. Voyage. Ok, vas-y, prochain moi, voyage en Égypte. Pyramide. Do you want to go in Egypt, guys? Write us in the comments. Write in the comments. Come to my subscribe and like. See you in touch. Wow, Tanger! Here we go! Moi, ce que je peux vous dire en tant que travel vlogger, après c'est que mon petit avis, mais Tanger, je le sens bien. Bon, je viens juste de sortir de la gare, mais il y a une petite vibe summer, j'ai l'impression. Very, very first impression of Tanger. The weather is very good, the vibe is good, I can see the sea, I think, no? I can see the sea. So, sea, sun, weather, what else do you need? There is a song, a French song.
Bon, bref. Donc là, on arrive à Tanger. On a composé notre petit tour au Burger King du centre commercial près de la gare. Ensuite, on nous a conduit à notre Airbnb. Et je suis tombée sur un poème qui va bien avec mon mood de drama queen qui a l'impression que le monde va s'effondrer car elle rentre de vacances. Alors, je vous le lis. Ça parle d'amour, mais ça marche pour tout ce qui est beau dans la vie. Ombre de baiser, ombre d'amour, merveilleuse ombre de vie. Crois-tu folle que tout cela restera immuable, éternellement vrai? Ce que nous avons fermement possédé dans l'amour, tout cela s'évanouit comme un rêve. Le cœur oublie, les yeux se ferment. Heinrich Heine. Eh oui, tout commence pour finir. Mais il nous reste encore un jour. Non, c'est le dernier jour du voyage qui devait être des vacances mais qui en fait était un road trip. Oh mon dieu, je vais pleurer demain. Nous sommes donc à Tanger et aujourd'hui nous allons nous balader dans la ville avec Ayoub. Hello. Thank you for the tour. Yeah, thank you in advance. I don't know, maybe it's gonna be a shitty tour, you know? Yeah, exactly. That's what I was about to say. Because I'm not from Tanger. I don't know a lot of places here, but I can show you around. Thank you. You're welcome. That's so nice. Demain, je prends l'avion à midi et c'est la vie. Let's enjoy the last day, guys. Sans penser au lendemain. J'étais vraiment triste. Bon, alors oui, je suis triste que le voyage soit fini, de quitter mes acolytes, tout ça, mais c'était une tristesse un peu trop profonde pour une fin de voyage. J'avais l'impression que c'était pas proportionnel, qu'elle était un peu disproportionnée, quoi, ma tristesse par rapport à la situation. Et peut-être parce que ça venait toucher des trucs plus profonds chez moi, on le saura jamais, j'ai pas lu mes livres de psychologie. Mais j'étais vraiment dans une tristesse profonde, quoi, et réelle. Et du coup, pas du tout dans le moment. Et regarde, par exemple, là, comme je galère à filmer à Fifi et comme je m'énerve contre ma caméra. Welcome to the old town. Sorry? Welcome to the old town. Oh, that's so... Welcome to the old town, again. Non mais en soi, je passe un bon moment, mais je suis pas détendue, tu vois. Il y a une tension latente. Je pense, bon, c'est assez propre au voyage, tu vois, tu rencontres des gens, tu connectes, et ben, je pense que c'est ma dépendance affective, la vérité. Je suis là, oh mais non, on a connecté, si on se sépare, tout va s'écrouler. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous pensez que vous vous attachez trop vite, moi, je pense que c'est pas une histoire de vitesse. C'est le terme consacré, tu vois, je l'ai utilisé dans le titre. Je m'attache trop vite. Mais en fait, c'est pas tant la vitesse de l'attachement que sa profondeur un peu démesurée, peut-être. Parce que là, c'est mon enfant intérieur qui a le cœur brisé, quoi. Moi, je sais pas comment te dire. C'est une tristesse pas rationnelle, un peu impossible à consoler, quoi. J'étais en cœur brisé. Parce que les garçons aussi, ils étaient tristes que je parte, mais toute proportion gardée. Alors que moi, ça m'a fait angoisser. J'ai dit, ah, putain, je sais pas si je vais devenir travel vlogger, parce que si à chaque fois que je me fais des potes, c'est ça... Moi, je vais pas survivre. Hein. J'ai quand même kiffé ma dernière journée, hein, rassurez-vous. Là, les garçons, ils vont m'emmener au Cap Spartel. C'est un endroit où il y a un phare qu'on voit sur les billets de 210 dirhams. Vous allez voir, c'est trop beau. Mon angoisse est montée progressivement, finalement. Mais non, vous verrez le facecam de la fin. Facecam de la fin, je suis pas dans mon assiette. Ces gens qui ont choisi le métier qui met le plus mal à l'aise du monde. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis très gênée par les hommes tatoués? La panoplie du beau gosse. J'espère que c'est là qu'on va manger parce que j'ai jeûné du coup j'ai un peu faim. 30 minutes avant le stop. Oui, c'est bien là qu'on va. Look at this. Oh là là. Guys, I'm so lucky.
My God. Ah oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est tout ce dont on a besoin. J'ai tendance à oublier que c'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, oui. Non, mais si, c'est très bien. C'est très, très bien ça. Moi, je vais trouver quelque chose là. Il n'y a aucun problème. Viande grillée, oui, si vous voulez, viande grillée aussi. Oh là là, my God, c'est mon truc préféré, le ciel rose. C'est vraiment mon truc favori. Et voilà, c'est la fin du dernier jour. Quel plaisir de traîner avec des content creators. C'est l'heure de la conclusion de ce vlog avec mes deux maris. What did you say? It's time for the conclusion of the vlog with my two friends. Marie? Husband? I don't know what to say actually. What did you expect when you said yes? Adventure. And what did you get? Adventure. Deal. And I opened a TikTok account. And you did? Okay. Yeah. We met many. Was it more than KFC? I had some nice food too. Thank you. Because I remember the first day was yeah, in India. Yeah, I was worrying. So I'm a food traveler now. Yeah, food vlogger. Full time. Content creator. Travel. Yeah, content creator. Food and travel. You met a lot of content creators who motivated you. I'm super sad actually. I don't know what to say. Why? Why? Yeah. Am I sad? Yeah. Because the trip is over. Huh? Because the trip is over. Yeah, but the trip is not only today. No, it's only the beginning. It's just a chapter. We are just part of the story. You know, I like to think of it as like, you know, I always say it's two different lives, you know. Each one is following his own line, you know. And then we cross, you know. Mm-hmm. But then we cross together sometime, we separate and then we come back. Life changes when two lines cross, in a way. Hopefully for the better. Yeah. So it's all part of the adventures. Yeah, thank you for handling us. Oh, it was easy. And our chaos. Yeah. Hectic chaos. Two wild Egyptians. Funny Egyptians. Adventures. Annoying. Annoying as well. Annoying a little bit, yeah. I'm annoying too. We all are. We all are sometimes. That's the conclusion. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Montpellier. Montpellier. Au revoir, mon ami. Au revoir, les amis. En coupe. En coupe. Et puis. Eh oui, le voyage est fini, mais ce n'est qu'un chapitre et l'histoire continue, comme l'a dit Afifi. J'en menais quand même pas large dans mon taxi, ni dans mon avion. Et juste pour finir sur la dépendance affective ou ce qui peut y ressembler, ou en tout cas le fait de remettre entre les mains des gens, de l'extérieur, des circonstances, notre bonheur, notre bien-être, tout ça, eh bien c'est une pratique plutôt risquée quand on s'attache un peu trop vite, un peu trop fort. Je pense que c'est aussi parce qu'on est à la base un peu en carence d'amour, tu vois, ou qu'on n'a pas appris, ou qu'on ne sait pas suffisamment se donner à soi-même. Quand j'étais triste, là, je me sentais vraiment comme un enfant, tu vois. Le truc, c'est que je suis une adulte, tu vois, donc je peux m'apporter à moi-même désormais tout l'amour dont j'ai besoin. Et je vous souhaite de faire de même. Ah, ils vont me manquer, les deux grands brins, mais voilà, je vais rentrer à ma maison, je vais m'occuper de moi. Hop, regardez, là, je suis à Paris, je suis devenue blonde. Ma mère, elle dit toujours que dans la vie, on se croise toujours deux fois. On a fait un super road trip, les souvenirs, ils semblent pour toujours gravés. Et regardez, on sait jamais la vie, regardez, qui vient de sonner à ma porte, là. Give me a hug for the video. Okay. Who are you? Je vous ai dit, on se croise toujours deux fois. Mais bon, ça, c'est un autre chapitre de l'histoire. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Ciao. Pour la distance.